On nous demande d'observer les droites suivantes tracées sur un repère. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit trois droites, chacune représentant une équation qu'on nous donne. On nous donne une équation verte qu'ils ont nommée A, une équation bleue qu'ils ont nommée B, et une équation rouge qu'ils ont nommée C. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces droites? On nous demande quoi? On nous demande de les utiliser pour identifier un système d'équations avec une solution unique. Un système d'équations avec une solution unique. Et on nous demande aussi d'identifier un système d'équations qui n'a pas de solution. Un système d'équations sans solution. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a appris sur la représentation graphique de système d'équations? C'est que quand deux droites représentées chacune par une équation se coupent en un point unique, ce point est solution du système d'équations, comme ce point ici, par exemple, ou cet autre point. Chacun de ces deux points sont solution d'un système d'équations. Ce point, par exemple, est solution du système des deux équations représentées par les droites bleues et rouges. Et donc, pour le système qui a une solution unique, voici la réponse qu'on peut apporter. Y est égal à 0,1x plus 1, l'équation rouge, et y est égal à 4x plus 10. Okay, on remarque que du moment que les coefficients directeurs sont différents, les droites doivent se couper. Ensuite, pour ce qui est d'un système de deux équations qui n'a pas de solution, eh bien, il suffit d'identifier deux droites qui ne se coupent pas, qui sont parallèles, et on a justement le cas des droites vertes et bleues qui représentent un système d'équations qui n'a pas de solution. Un système d'équations qui n'a pas de solution. Il s'agit du système des deux équations avec la droite bleue, y égale 4x plus 10, et la droite verte, y est égale à 4x moins 6. Et on remarque effectivement que les coefficients directeurs sont les mêmes, ce qui fait que les droites sont parallèles, elles ne se coupent en aucun point, donc il n'y a pas de solution à ce système.